Il a un tempérament de feu, a pulvérisé plusieurs records et on peut dire sans se tromper qu'il est une légende. Les observateurs avertis du sport marocain l'avaient repéré dès 1983, mais le grand public marocain ne le découvrira qu'en 1984 lorsqu'il surclassera les coureurs de la finale du 5000 mètres hommes et fera résonner l'hymne national aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Par lui qui voulait être footballeur, il a en moins d'une année, 1985, détrôné tous les maîtres britanniques de la discipline et pulvérisé leurs records. Époustouflante accélération, pointe de vitesse incroyable lors du finish, capacité de récupération et son endurance phénoménale, Saïd Aouita a été l'athlète le plus complet de l'histoire du demi-fond mondial. Pour suivre la trajectoire de cette légende internationale, Soumyed Drouri a plongé dans les archives de toutes ses courses, rencontré ceux qui l'ont accompagné lors de sa carrière sportive. Épouse, entraîneur, réparateur physique, journaliste, tous témoignent d'une rage de vaincre jamais vue et d'un tempérament souvent indomptable. الميداليه الذهبيه شارك فيها نيجليزي موركروفت اللي كان عنده الرقم القياسي في 5000 متر ملي فاتو عويطة كان بقى واحد الدوره بقى عويطة مشى ودوبله ملي دوبلو عويطة بقى دقيقه عاد سالا winner of the gold medal representing Morocco Olympic champion Saïd Aouita. Ma plus grande victoire, c'était les Jeux de Los Angeles. Et je n'oublie jamais, jamais, jamais cette soirée. Pour moi, ce qui reste d'Aouita, ce n'est pas des records, c'est sa victoire olympique. Je pense que plus jamais ça n'a été comme avant 84, effectivement. Les contes de fées ne doivent pas continuer. La médaille de l'or de Saïd Aouita, c'est une tournée où il a bouleversé le monde. لان واحد الوقت كيقولوا شكون هاد سعيد عويطه منين جا هاد سعيد عويطه هاد السيد نقدر نقول لك انا 12 و13 عام سد على راسه كانت عنده واحد القوه خارقه ديال التحدي ce qu'il faisait à l'entraînement était hors du commun اول واحد اللي جا في التاريخ وسحق المدرسه الانجليزيه l'athlète de demi-fond le plus complet de l'histoire. Cette nuit d'août 1984 à Los Angeles, une légende marocaine est née. Saïd Aouita, un jeune athlète sorti de nulle part et qui n'allait pas tarder à détrôner les Britanniques, à pulvériser leur record et à s'imposer durant les années 80 en maître absolu des distances de fond et de demi-fond du 800. Aux 10 000 mètres. Ses exploits, son incroyable rage de vaincre, mais aussi ses frasques, son tempérament de feu, l'ont élevé au rang d'icône de l'athlétisme et du sport marocain. Voici son histoire. Je suis né à Kénitra et à l'âge de 7 ans, on a quitté Kénitra pour aller à Fès. Et de Fès, j'ai fait là mes études primaires et après et le collège et le lycée. Et là, à Fès, je me suis inscrit dans une école de l'athlétisme, plutôt de football avant. On est 6 à la maison, enfin 4 frères et 2 sœurs. Et il faut que je crie à la maison pour qu'ils m'achètent une paire de chaussures. واحد الساحة عندنا في التيران المغنيسي كانوا تيجيو الدراري تيلعبوا بعضياتهم شي معنى وانا جبرتو تيلعب مع شي واحدين ثلاثة منهم تيلعبوا الطاف طاف طاف تيلعب لي باس والفن وداك الشيء تيعجبني قلت له تلعب في الماس قال لي الله يرحمه قال لي جبتها عندي الماس
Mon idole à l'époque, c'était Beckenbauer, le joueur, le balayeur de l'Allemagne. Je joue moi aussi balayeur, alors c'était mon idole. Ça nous apprend l'éducation physique comme elle brille, ça nous apprend la mise en train, ça nous apprend les assouplissements, la musculation, ça nous apprend la vitesse, le changement de rythme. C'est ça l'athlétisme. ملي تيكون الغيس تيكون التيغان امبراتيكابل تيجي عندي تيغربني تيقول لي اعطيني شي نسق بوحدي تناخذ السبيغات وتنعطيه له وتنعمل على حويجاته وتيسبق تبقى انا حاضر واحد النهار عندنا لفيت ديال الجوني دي سبور واحد المونيتور وجا عندي قال لي الله يخليك عطيني شي جوج دراري تيسبقو قلت له عندي واحد عطيته عويطه واحد الولد اخو معاه دار بعد لا كوبات Le jeune Aweta prend goût au plaisir de la course à pied et déserte petit à petit les stades de foot pour les pistes d'athlétisme. خبروني انا مش عارفوه معايا في الثانويه انه هو عنصر تيجري قالوا لي راه معنا واحد الميد تيجري كنا تنشوفوه دائما تيتريني في باب الساقمه باب الكيسه داكشي تنشوفوه انه تيمشي يلعب كره القدم تيجري راه عندنا هنايا قلت لهم سدعيه ونجيو عندي ملي سدعوا لي قلت له واش يمكن لك سميتو قال لي نشارك Au collège, Aweta devient une célébrité locale, la star des jeux scolaires. عرفتو اول مره في 75 لا كازابلانكاز كانت بطولة المغربية المدرسية فجأة تيبان لي واحد لاتليت من الديبار مشى ما شدو حد حتى لاريفي قلت لهم هاد السيد هذا منين قال لي من فاس قلت لهم هاد السيد غيكون شي حاجة خارقة للعادة مشى معايا في 77 بطولة جهوية في قرية صبا محمد كان مشى معايا البطولة الوطنية كنت ضمنها في تاونات كان هو حاضر في ظروف ديال الأمطار والغيس بحيث أنه كان ديما تيحتل الرتبة الأولى شارك في النادي الدفاع الرياضي الفاسي شارك في الاتحاد الرياضي الفاسي Aweta est très doué. Il est fait pour la course à pied mais il doute encore. Il va alors faire une rencontre providentielle qui changera son destin à tout jamais. في الواقع اللي لقاني بسعيد عويطه هو دريس الصوصي في دوز اتليت دريس الصوصي وحماده حميد اللي كانوا من فاس وكانوا لاحظوا باللي معاهم واحد الوليد عنده مؤهلات في المستوى العالي يوني بارتي فوار سو فينومين فاس انا فاس موجودش مثلا تقريبا هو تيمارس ولكن ملي شاف راسو يدخل المراتب الاولى بغات يغرور شويه ديال الجانب المادي عزيز داودا مع الاولمبيك الرباطي كانوا ناس تقريبا نادي يعني فيه الماده فيه الفلوس منظمين راسهم في نهايه الاسبوع كانت بطوله مدرسيه في وجده فاتفقت معاه لانني غنمشي لوجده باش نشوفو تيجري ومشيت لوجده افكتيفمون بور لو فوار كورير اي لافي كوري ان 5000 متر كرو 14-50 او كيك شوز كوم سا مي سيتي با لو طون كي مانتيريسي سيتي لي كاليتي انترانسيك دو du jeune homme qui sortait du commun. Sincèrement, c'est quelqu'un qui est doué d'une capacité extraordinaire. Immédiatement, je me suis dit, celui-là, je le prends en charge. J'ai dit, allez, je n'en ai pas. Quand il est venu, il n'était pas très convaincu lui-même de ce qu'il pouvait être. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de référence. Il n'y avait pas d'icône dans l'athlétisme national. Les derniers grands champions remontaient déjà à quelques années. Cela remonte à 1960. Cette année à Rome, un marathonien marocain, Abdeslam Radi, allait hisser pour la première fois de l'histoire le drapeau marocain dans des Jeux Olympiques. Il était arrivé deuxième après la vedette éthiopienne Abebe Bikila. باش نمشيو لبطولة العالم في غلاسكو في ليكوس فهمتي من تما الوقت اللي مشينا لغلاسكو من تما بدات تيهضر لنا ديك الساعة اوفيت وسيباستيان كانوا سابقيننا تيحاول يابليكي تيحاول يطبق
دوك لي زاكسيون كيفاش يجريو هو لا كورديناسيون كيفاش يدو كيفاش تخدم رجلو وتيقول لي شي مزاوي هادو غنباطيهم انا غنكون شامبيون دي موند. À son premier championnat du monde de cross-country, Aweta fait un mauvais résultat, 34e. Mais ce jour-là, il se fait une promesse, celle de ne plus jamais courir aussi mal. Il enchaîne les stages et les bons chronos. Quelques mois plus tard, il réalisera son premier grand exploit. Oder, في 99 record ديال 1500 متر universitaire. للآن باقي كاين 3:35. باقي حتى واحد من دوك الطلبة ما دار أحسن من هادشي. هذه دابا أكثر من 30 عام. نظن حنا في لوبينيون درنا سعد عويطة أحسن رياضي 79. جا عندي داودا هو عويطة للدار عندي قال لي عويطة أنا راه باغي نولي الماير كورور دو موند. قلت له شنو هي الماير كورور دو موند شنو هي؟ قال لي ربح هاد الناس. قلت له شنو غتربح هاد الانجلزا وهاد الالمان وهاد الشيء كاع اللي كيجري كادير اليوم؟ قال لي لا غنربحهم. Aweta se donne les moyens de son ambition folle, s'entraîne en secret, se surpasse. Tu nous demandes comme ça ce soir, tu nous dis, tu voulais entraîner au football, au tarjo, et ne fais pas le coup de dire que tu es un champion. Tu ne te bats pas sur le football, tu ne bats pas. Tu dois nous faire entraîner, car nous entraînons, on entraîne mal à chaque on a entraîné une séance flashia, trois séances. Mais c'est ma wafite, mais je vous dis, mais faut la séance, mais j'ai de gâteau chemin. Aziz Daouda m'a trouvé une bourse pour faire sport études en France et là c'était pour moi une chose très importante dans ma vie. J'étais chef de division au ministère de la Jeunesse et des Sports et j'avais entre autres comme attribution de pouvoir attribuer des bourses en sport études en France. Il met alors le cap sur Marignane. Une petite ville du sud de la France, une chance. Le maire de Marignane est un passionné d'athlétisme. Il lui trouve un poste d'employé municipal et l'inscrit au club d'athlétisme de la ville. Le maire de Marignane, Kayed Aweta Flacos, à Croix du Figaro. Kayed Smith, le club français à Marignane. Il est parti de lui-même, pratiquement avec ses propres moyens. Voyage très difficile en train, pratiquement une nuit de train, une journée d'attente, dans des conditions très difficiles. Il faisait très très froid cet après-midi dans les allées du Bois de Boulogne. Autant dire que ce Marocain fraîchement débarqué à Marignane ne courait pas dans des conditions tout à fait idéales pour lui. Et si vous y ajoutez qu'il a battu au sprint Booster, le vainqueur de 78, et qu'il a laissé à 28 secondes Boxberger, vainqueur à 6 reprises de ce même cross du Figaro, vous pouvez être sûr qu'Aweta est déjà un grand coureur et qu'il sera bientôt un super crack. Je suis venu ici pour compléter mon équipe, c'est de Marignane. Et je ne suis pas prêt pour le cross, je ne suis pas à l'entraînement de cross, je prépare pour le 800 mètres et pour le 1500 mètres. Et voilà, j'ai couru deux cross maintenant, le meeting de Jean Gouin. Et cette meeting-là, je lui ai gagné les deux, j'ai gagné les meilleurs Français. Cette course Figaro, c'est l'adam ou les courses qui sont dans le monde. Mais les Figaro ont fait beaucoup de choses, attention. Ou le Sid a une chose. Aweta, Michel Talien, à Sienne. وتلقى بواحد الماناجير اللي سميتو ديونيزي بدا يقيدو في لي ميتينغ حنا البلاد غفلون ما عارفين حتى حاجه من هادشي pendant 2 ans pratiquement c'était pas revu on s'était pas revu parce que lui était parti en France et moi j'étais parti au Canada pour des études jusqu'au moment où je suis rentré au Maroc. Pendant ces deux années, Aweta s'entraîne, se frotte au meilleur, grappille les centièmes, les dixièmes de seconde, puis un beau jour واحد العشيه جا عندي عايز داوده قال لي عافاك واش عندك النتيجه ديال الكورس اللي جات البارح في الطاليان. مشينا للمحل اللي كيطيحوا فيه لي تيليكس تاع هذيك لاجونس فرانس بريس لاي اف بي الوكاله الفرنسيه وكنتسناو هو يدير ويخرج واحد باقي عاقل واحد التيليكس عطيناه سعيد عويطه خرج طق 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 في ثلاث كلمات 1500 متر ام بي ام
MPM, trois petites lettres magiques. Saïd Aouetta vient de réaliser la meilleure performance mondiale de la saison au 1500 mètres. Confiant, le meilleur performeur de l'année s'aligne sur 1500 mètres au championnat du monde d'Helsinki, aux côtés des plus grandes stars de l'époque. Le recordman de la distance, Steve Ovett, et son jeune compatriote, Steve Cram. La course est lente, tactique. Aouetta arrive troisième et devient le premier Marocain à monter sur le podium d'un championnat du monde d'athlétisme. Quand Fess Mlali, Allah yirhamou, m'avait demandé de les amener sur le stade, d'amener donc Aouetta et Nawal, ils étaient en tenue de sport. Donc ça ne correspondait pas à la circonstance. Alors il a fallu changer les choses. Donc on s'était changé nos costumes. Et on avait été vite, dardard, comme on dit, acheter une robe et des chaussures à Nawal Moutaouki. Sa Majesté Hassan II était fier de ce résultat. D'ailleurs, Nawal Moutaouki n'était à l'époque que demi-finaliste. Devant des milliers de spectateurs, feu le roi Hassan II les reçoit à l'occasion de la finale de la Coupe du Trône de football. Des millions de Marocains découvrent alors pour la première fois ce jeune athlète, frêle et timide. C'est le début d'une formidable histoire. Après Helsinki, le jeune athlète n'a pas le temps de savourer son premier exploit. Les Jeux Olympiques, c'est dans une année. Aouetta a une revanche à prendre sur Steve Cram au 1500 mètres. Il s'entraîne jour et nuit, il est prêt. Mais à 10 jours de la compétition, il se blesse à la jambe, faillit déclarer forfait, puis contre toute attente, s'aligne sur une distance pour laquelle il ne s'était pas entraîné, le 5000 mètres. Aouetta terrasse ses adversaires, remporte sa première médaille d'or et pulvérise le record olympique, une étoile est née. الوقت اللي مشى للزولمبيك ماشي مشى باش يعير شهرك مشى باش يدير البوديوم لوس انجلوس سيتي ايفيدون بور موا سيتي ايفيدون On a fait notre première interview et il y a eu un commun regard qui nous a rapprochés et donc on a sympathisé tout de suite. Moi il me tolérait, mais le reste de la presse il la tolérait pas. Et puis pour moi c'était un petit peu difficile de le voir réagir comme ça, parce que moi j'étais gêné vis-à-vis de mes collègues. Le soir de la victoire de Saïd Aouetta, l'hymne national marocain a retenti pour la deuxième fois dans le ciel de Los Angeles. Deux jours plus tôt, Nawal Moutaouki est entrée dans l'histoire comme la première femme arabe, africaine et musulmane à remporter une médaille d'or olympique. À leur retour, les deux champions ont droit à un accueil princier. Du jour au lendemain, Aouetta devient une vedette, sollicitée, filmée, admirée et parfois jalousée. Je pense que plus jamais ça n'a été comme avant 84, effectivement. Les problèmes ont commencé à surgir, évidemment, comme dans toute histoire réussie. Des jalousies qui ont fait qu'il y a eu des malentendus qui ont été malheureux pour moi et pour lui. Alors, une des plus précieuses amitiés d'Aouetta va être sacrifiée sur l'autel de sa nouvelle notoriété. كانت واحد المحبه كبيره بيناتهم واحد لا كومبليسيتي اكستريم كان عزيز داوده هو سعيد هو عزيز داوده وقع شي سوء تفاهم بسيط ولكن اثر في سعيد بزاف واثر في داوده بزاف عندهم نفس الكاركتير عايز داوده تا هو صعيب المغرب تنسي في دونك لي كونت دو في ما دوف با كونتينيو Aouetta se sépare de son entraîneur et manager et se lance seul dans une course effrénée au record. Pour entrer dans l'histoire, il faut déloger les Britanniques qui règnent sans partage depuis les années 70 sur les distances de fond et de demi-fond.
في الالتيتود في دافوس وكان كيكون عند سيباستيان كوستيف كرام ما كيشوفهم سعيد دي زيدول كيشوفهم كلهم خصهم خصو يحط هذاك خصو يربحوا في 800 وهذاك خصو يربحوا في 1500 ستيف كرام سيباستيان كوويتا كانوا دي فرير انمي يل سو ريسبكتي ميتيالمون بيناتهم بزاف وداك الشيء وكل واحد تابع الاخر اش تيدير وفين وصل وهذه وهذه Aweta n'a peut-être pas l'expérience et le savoir-faire des Britanniques, mais il a d'autres qualités. Ce qu'il faisait à l'entraînement était aussi hors du commun. Il supportait une dose et une intensité de travail que très peu d'athlètes à aujourd'hui peuvent supporter. Il a des qualités physiques extraordinaires, il avait des qualités de coureur extraordinaires, il avait un cœur extraordinaire, des qualités physiques, des jambes extraordinaires. Hein, il était fait pour la course à pied, il était monté pour la course à pied. عويطة من تيدخل الحصة يعني تيدخل الحصة ديالو التدريبية أنا دي فوا كان معايا تنشوفو يعني الزرقية في الوجه ديالو ولا دي فوا تما تيتريني تيتقية صافي ما تيقدرش يتحرك والغد ليه يدير سيونس قصح من هذاك اللي دار البارح ميشيل جازي واحد البطل فرنسي معروف في ألعاب القوى وتيتعتبر من الخبراء ديال 1500 متر اللي كان جا يتفرج في لونترينمون تاع عويطة كان جا في 85 وكان صرح لواحد جادة فرنسية قال لهم عويطة ما عمره ما يدير حتى حاجة هادشي اللي كيدير في لونترينمون تيقتل راسو بزاف الـ 85 خاص المؤرخين تاع الرياضة يهضروا عليها بين أن درت فيها معجزة ساعد عويطة خاصو ياخذ الركور دي مون تاع 1800 متر عايش تنهز بهذا الشيء كيتغدى على هذا الشيء كيخدم على هذا الشيء لا كور ديالته اللي كيحماق عليها واللي كيبغي 1500 متر واخدها باقي عند الانجليز Le recordman du monde du 1500 mètres, Steve Ovett, est en fin de carrière. Mais son compatriote Steve Cram convoite le record de cette distance, reine du demi-fond. Moucha Saïd Aweta, il a fait un peu de Steve Cram a fait un peu de temps. Il a fait la course, l'équipe a fait un numéro spécial. C'est le sommet, le Qimma. Il s'est fait surprendre bêtement, il croyait encore, il est revenu, mais il n'a jamais pu passer Cram qui avait attaqué au bon moment. Mais c'était une course somptueuse. Cram, c'est là, à Oueta ou Salmoura, Tani, Bjoum, Nzlouta, 3:30, Hatmoura, Khmkhayazi. Il y avait encore 10 mètres de plus, il l'aurait battu. Mais bon, il s'est fait surprendre là. Parce que tactiquement, il n'était pas si mal que ça, il était pas mal. Aweta passe à quelques dixièmes de seconde à côté de son rêve. Steve Cram devient le premier homme à descendre sous la barre des 3 minutes 30 au 1500 mètres. 9 jours plus tard à Oslo, Aweta, qui n'a pas encore digéré sa défaite, bat son premier record du monde. C'est le record du monde à 5000 mètres. C'est la première fois qu'il a fait 85. Il a fait une course à 1500 mètres. Je ne sais pas si je vais faire ça. Je vais faire le record du monde. Le record du monde, c'est spécial, le record du monde. خاص يكون معك الالياف خاص يكون عندك هذه خاص يكون عندك شي واحد اللي دفعك كاين شي واحد اللي جرك كاين شي واحد صعيبه 3 semaines plus tard il prend une belle revanche et arrache à Cram le record du 1500 mètres كون كان الياف اللي يمشي له اكثر من 1000 متر كان يجري الميساك في 3 دقائق 27 فاصيل Aweta exulte, il est assailli par la presse, les photographes. Ce visage en larmes est celui du nouveau maître du demi-fond, la nouvelle coqueluche de la presse sportive. J'étais le spécialiste d'Aweta. Dès qu'il préparait une course, on me disait, tiens, tu vas aller là-bas, tu le suis, on le suivait partout. Hein. Donc Aweta, on était presque sûr qu'il y avait soit un record du monde, soit une bonne performance. Nous
جلس عند داوده قال له شوف انا بغي نكون اول واحد اللي يجري 5000 متر تحت 13 دقيقه. باقي الان في الدهن ديالي انايا بديك لا كولور جون بجرا مع لاريوس ديك القوه ديالو هو، لان واحد الوقت ولا غادي تنقول انا واش هذا راه ماشي بنادم. Les Britanniques étaient, ils avaient la connaissance, ils avaient le savoir-faire, ils avaient les qualités, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et Saïd Hawita est venu justement bousculer toute cette hiérarchie, toute cette établie. أول واحد اللي جا في التاريخ وسحق المدرسة الإنجليزية. En l'espace de deux ans, Hawita aligne 44 victoires consécutives sur 9 distances et devient le seul athlète à détenir en même temps les records de 5 distances. Son point fort, son époustouflante pointe de vitesse, sa capacité phénoménale d'endurance et un mode de vie à part. Saïd Hawita, dans cette période où il a atteint le niveau des arqam al-qiyasiya, il y a un mode de vie spécial. تحرم واحد المجموعه من الاشياء اللي ديال الحياه العاديه. قطع علاقته مع العام الخارجي، تعرف جوج الحوايج لا كونسونطراسيون ولا بريباراسيون. كل حاجه في واحد العلبه ولا مصوبه مصنعه في قرعه ولا شي حاجه ما يقربش لها، حتى ملي تيمرض. Hawita, c'est quelqu'un qui se soigne à l'aspirine. Ben c'est le seul médicament que je lui connaisse. Hawita est au sommet de son art, un athlète imbattable, charismatique, qui fait trembler ses adversaires. Hawita, mred, mred. Lauda, Saïd, starta. Tu peux dire là. J'ai 3-36. Je n'ai pas de problème. Toi, voilà, flan. بيعطيك ديولي وتيدخل ويعطي لا كورس لالور اللي بغا تيحكم بلا كورس. Le demi-fond à l'époque d'Hawita était un demi-fond extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a régné sur un demi-fond qui était très fort. Il y avait Kram, Co, Ovet, Sidney Marie, les Espagnols Abascal et González. C'était le summum. ريزو الكبرى داها ثلاثه المرات، ربما كان يديها المره الرابعه، ولكن بامر من المغفور له حسن الثاني كان مشى للالعاب العربيه في اللاذقيه. بزاف الناس قالوا باش الواحد يمشي يجري في شهر 10 في اللاذقيه في سوريا في الصاد وكل شيء 4 تاع السباقات، هو عنده واحد الموسم داز عليه وكيتسناه، ماشي معقول. On avait besoin de médailles, j'avais 3000 mètres steep. Ça a été un bekouche, un Tunisien, un Mzien, un petit mur de Mahana, un Nasli de Roulou, un mètre, un Fahad, un mètre, un record du monde. Ou Alfa Gadi, ou Alfa Souri, 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 ou Alfa. Il a mis son orgueil au second plan pour son pays où il est reçu en héros par les Marocains et par le roi Hassan II qui le cite même dans ses discours. Le Mali, la première fois dans les Jeux Olympiques, le Royal Maghribia, Darat, avec Hawita et Nawal. Ça a l'air d'un nombre de réfugiés. Qui est ce Maroc ? Vous savez. واصبحوا من بعد اللي سول هذا السؤال تعرفوا مروكو بعويطه وبنوال اكثر ما تعرفوه بملكيه المتواضع الخادم. عويطه devient l'athlète le plus complet de l'histoire du fond et du demi-fond, une star à l'étranger, une icône chez lui, à la une des journaux, en couverture des magazines, une véritable vedette, la première au Maroc.
En 1985, il est honoré par la plus prestigieuse distinction de l'athlétisme mondial, le trophée Jesse Owens. C'est une célébrité qui reçoit la presse, se laisse filmer en famille et exhibe sans complexe réussite. Le premier train marocain grande vitesse est même baptisé en son nom. Les Marocains lui vouent un véritable culte. On a été tous les deux en voiture à Marrakech pour le marathon, où il était l'invité d'honneur. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que les gens, ils montaient sur sa voiture, les gens ne voulaient pas le laisser passer, ils voulaient l'embrasser. Moi, j'ai jamais vu ça en France. Hein. C'était un dieu vivant, ouais. Saïd Aouetta est un homme comblé. Il a tout gagné, ou presque. Au Maroc, son incroyable parcours fait rêver, fait des émules. Des milliers de jeunes Marocains découvrent grâce à lui la course à pied, le plaisir de souffrir, de se dépasser. Ils veulent tous devenir champions et savent désormais que c'est possible. Alors, Saïd Aouetta décide d'être leur pygmalion, leur coach, leur manager et lance en 1985 la première école marocaine d'athlétisme. Le champion ne déserte pas les pistes pour autant, bien au contraire. En 1988, pour les Jeux Olympiques de Séoul, il se lance un défi de surhomme, à l'image de son génie, de son talent, mais aussi de sa démesure. On était invité à un cross-country à Rabat, et on a vu des jeunes courir. Des jeunes vraiment très talentueux. C'est d'ailleurs qu'on a découvert Brahim Boutaïb. Et Aouetta, qui était aussi très nationaliste, très soucieux d'aider les autres, a dit il faudrait qu'on arrive à prendre des jeunes en main, de les aider, etc. etc. Donc c'est parti comme ça. L'école sera d'abord logée dans une villa appartenant à Saïd Aouetta à Casablanca, avant d'être transférée dans les locaux du complexe Mohamed V à Rabat. C'est cette même école qui donnera naissance plus tard à l'Institut National d'Athlétisme. كان معنا منصف كان معنا شعل مغيت كان معنا حسن صغير السنقار قادة حمو بوطيب مولاي إبراهيم بوطيب يعني هادو كل أسماء اللي دازوا بوسرة الحلفي هادو كلهم أسماء اللي دازوا في ليكول ديال عويطة. C'était à titre privé, on s'est dit bon, on va aider ces jeunes et on leur avait même expliqué qu'on allait les prendre en charge financièrement. Pour leur nourriture, pour leur médicalisation, etc. Parce qu'on jouait le rôle carrément d'un centre de formation privé. جميع الأرقام القياسية المغربية ولا الإفريقية ولا المتوسطية يعني حطمتها في التدريب اللي كنا مجموعين مع سعيد عويطة. التدريب نقول لك التدريب كانت شاقه للغايه. كانت عندنا واحد السيده زيزونه ما تهضرش، جات عندي قالت لي بزاف بزاف بزاف، قلت لها هذيك راه زيزونه وهضرات. كنتي واخا تقهر ما تقدرش تقول للعويطه بانك راك تقهرتي، لان غتخاف يقول لك ما بقى ما نديرو بك انت غتمشي لداركم. واحد العادات الناس بداو يغوتوا، عويطه تيقلب على ليفر تريني عليهم. اسيدي انا نجيبك دير لي ليفر، انت نجيبك من والو. وندير لك ليفر ديالي ونوصلك تولي شامبيون وراه واحد العادات الناس ما يكرهش ما يديرش لك غير ليفر يهز لك الصاك ديالك ارجعوا شامبيون عويطه لا كان تي تريني بشي حد خاص داك البطل اللي كيتهيئ خاصو يصبر لتمارك بحال ما كيصبر عويطه وخاصو يكون يفكر بحال عويطه خاصو يكون يعيش بحال عويطه واحد اللي دارها معاه صبر له هو مولاي ابراهيم بوطيب عويطه كان كيحزم رجل بوطيب لانه في البيست ربما كيبان له ما كيمشيش من مقاد كيحزم له رجله كيقول له واش داير دابا باش تبقى غادي مقاد عويطه prend le jeune athlète sous son aile بوطيب a du potentiel de la discipline il a l'étoffe d'un champion il croyait en بوطيب il en faisait son dauphin Très vite, il devient son protégé, son meilleur ami,
Une amitié qui suscite les jalousies, qui dérange. خصمو مع ابو طيب مع مولاي ابراهيم ابو طيب وانا عقلت على هذيك مزيان لقيتو اون لارم كاع ماشي بانيكي وداك الشيء وسميتو واش قالوا ابو طيب واش فعلوا يخرجوا عليه وتطاو جو بون فير ان شامبيون il a été très affecté et il s'est senti comme trahi parce que bon il y avait beaucoup de politique derrière ça parce que c'était pas le problème n'est pas né de la relation entre c'est un problème qui a été monté qu'on a créé. Après les jeux panarabes, la rupture est consommée entre le maître et son jeune disciple. Leurs chemins se séparent, mais ils se retrouveront le temps d'une compétition, un rendez-vous historique cette fois-ci à Séoul, lors des Jeux Olympiques. Brahim Boutayeb joue la sécurité et s'aligne sur sa spécialité, le 10 000 mètres. Aweta lui décide de se distinguer, se met en danger sur des distances plus courtes, beaucoup plus courtes. كنربح لي مايور ديال 800 متر في هذاك العام احسن احسن لي كورور ديال 800 متر ربحهم زادت الثقه في النفس il voulait plaire aux marocains mais surtout et avant tout à feu Hassan II et je me rappelle et devant moi il a fait la promesse à sa majesté de remporter deux médailles d'or celle du 800 mètres et du 1500 mètres il a voulu être le plus grand coureur de l'histoire, faire comme avait fait Zatopek à son époque. Gagner, lui, il avait gagné le 5000, le 10000 et le marathon. Lui, il voulait être, comme moi je l'avais nommé, le décathlonien du demi-fond. C'est-à-dire le 800, le 1500 et le 5000. يعني التدريب كان مؤهل. نفسانيا كان مؤهل. ولكن ليلة على كورس عويطة تقصح في رجليه. هذا المكتب. ملي وصلنا لسيول خرجنا حنا ديك الساعه مشينا خلينا مع لا تيليفزيون وقع له شي تفاعل مع لا تيليفزيون شي حد عطاه شي سؤال ماشي هو هذاك ولا شي حاجه وتقلق لاح ديك الكاميرا وداك الشيء ونض معصب جا وصل سميتو وصل بلاسي لي ميدسان فولي لانجيكتي لي انجيكتي ان برودوي ريلاكسون بور ريلاكسي سا موسكولاتور باسكو il avait quand même un nœud à l'ischio jambier et il est pratiquement il s'est évanoui ما بغاش ياخذ الدواء كان خصنا نعالجو بطرق يعني طبيعيه اللي غتستغرق وقت وحنا ما عندناش ذاك الوقت il y avait 3 jours de 3 jours de compétition plus 2 jours de repos entre le 800 et le 1500 et ça pouvait être suffisant pour que sa jambe se rétablisse et il aurait pu donc gagner la médaille du 1500 mètres parce qu'il n'a jamais rien gagné sur 1500 mètres ce que Daouda ne savait pas c'est qu'il voulait réaliser un triplé Quelques jours avant la compétition, il s'en était ouvert à son ami journaliste, Louzain Fichter. Le triplé qu'il voulait faire à Séoul, j'étais le seul qui le savait. Il me l'avait dit avant. Ça va être difficile, tu as regardé le programme, il va falloir que tu fasses des séries, non seulement sur 1500, non seulement sur 800, mais et aussi sur 5000. Ça va être une répétition de course extraordinaire. Il a dit non, non, j'y arriverai. Je dis non, ça va être dur. Hein. Bon, vous savez, dès qu'il avait décidé, c'était plus la peine. Hein. Il était difficile, hein, très difficile. Il avait un caractère de cochon. وتربحوا ولا جوج وانت ماشي لا سير غادي نربح لي 800 ريحنا درنا سميتو ما خلينا ما درنا معانا ولا سي عزيز داوود حتى هو الله يذكره بخير كان معانا حاولنا ما امكن والو كان غنجري 800 Je dis bon, on va sur le terrain, tu fais l'échauffement, si jamais tu sens la moindre douleur, tu arrêtes. Après l'échauffement, il dit qu'il ne sent rien. Il fait le premier tour. Le lendemain, on revient pour le deuxième tour avec la même condition. Il dit qu'il ne sent rien. Mais je suis certain qu'il sentait quelque chose.
ديك لا فينال كانوا جوج ديال البرازيليين وجوج ديال الكينيين عقاني مزيان كان كي بروتيتش وان جون كينيون وكان خوسيه لويس باربوزا وجواكين كروز وعندهم هادو عندهم نفس المدرب وهادو عندهم نفس المدرب يعني اربعه الناس اللي معاك في لا فينال من 8 وباربعه تفاهموا باش يزيدوا لا كورس رابيد 400 متر الاولى غير بورس ليبيري من عويطه ويتفاهموا بيناتهم يعني بحال قلتي كان كومبلو Il avait sans doute pas compris ou pas voulu comprendre que le 800 mètres, c'était pas pour lui. C'était pas pour lui. Et il a fait un exploit en étant un troisième. Hein. Et il y a un homme qui a été fait. Il a dit que j'étais dans la douleur, dans la souffrance. C'est la seule. C'était la seule médaille. Li... Je suis persuadé, Wallahu a'lam, que si c'était reposé les 3 ou 4 jours de différence qu'il y avait entre les deux épreuves sur le programme horaire, il aurait pu courir le 1500 mètres et le gagner à l'aise, d'autant plus que celui gagné, c'est un superbe inconnu. Kawita pouvait avaler sans difficulté. Deux jours plus tard, Kawita assistera depuis les gradins au sacre de son ancien protégé, médaillé d'or olympique aux 10 000 mètres. لا عطيك الصحة بارك الله فيك أبو طيب الله يجازيك بخير خلي عنك لا ديالك خلي يشوفها وليدات وليداتك عفوا Après sa mésaventure coréenne, certains le croient fini. Mais Aweta, l'orgueil meurtri, veut prouver le contraire. Il le prouvera. Une année plus tard, en battant le record du monde du 3000 mètres. Mais l'idole n'est plus seule. Sous d'autres cieux, sur d'autres pistes, la relève se prépare. Les enfants maghrébins qu'Aweta a fait rêver une chaude nuit d'été de 1984 sont aujourd'hui des hommes, des adversaires redoutables. Aweta se remet doucement de son ratage aux Jeux Olympiques, de sa blessure. Il est passé à côté d'un rendez-vous avec l'histoire, mais il est confiant en l'avenir. هذا تيبقى شوية سنسيبل غير لحقاش لتغاجي ديونير كم مبرف شوف ميم با بارلي دو سيول سيول سيتي بور موا ان موفي سوفونير دون ما في جيتي لو هيرو دو ديمي فان سيتي بريفي كو جو غان لي 3 ميداي فينالمون جي كري كو لو 800 متر افيك اون سول جامب ديزون جي غاني انفان Je me suis classé troisième, disons, c'est pas mal avec une seule jambe. C'était prévu qu'après Sioul, j'arrête l'athlétisme, mais maintenant je vais continuer pour gagner une médaille d'or à Barcelone. Mais j'attends encore Barcelone, parce que 4 ans, ça va passer vite. Et je suis plus motivé qu'avant. Aweta se remet à flot et bat un nouveau record du monde, celui du 3000 mètres en 1989. Mais cette même année, un jeune athlète algérien de 10 ans sans cadet commence à faire parler de lui. Kharij Nourdine Mursali, Tijri, Bi'ism Jazair, Fi 1600 mètres. Nada Aweta, il y a un العالم تاع 91. غنمشي نشارك فيها وغنجري ال 1500 متر ضد مرسلي اول مره شاف مرسلي سو غير في التمارين عرفوا جاي عرفوا غادي يوصل هذه الشهاده ديالو هو نهار شافو اول مره هكذا الهضره اللي قال نقرا لها مزيان بواحد الطريقه قال لي شوف واعر 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 قال لي واعر البروش هكذا
Je connaissais Morsley, je savais que c'était quelqu'un qui pouvait inquiéter un jour et qui avait les moyens d'inquiéter. Tokyo. عويطه مشى الافران داك هي راسو باش يقول لهم انا هو المعلم تاع الافرانيت بداو اخصائيات عويطه كيتاهل مرسل لي كيتاهل وصلنا نفس النهايه عويطه في نفس النهايه مرسل لي في نفس النهايه عويطه جا هو الاول جا هو الاول في السيري ديالته وتاهل النهايه هبطت انا عند الخبير ديالنا سي عزيز داوود قال لي هادشي اللي دار اليوم معجزه سي لو بلو غرو اتليت ما انا قلنا له في العشيه كنهضروا مع الصحفيين في الكسون دو بريس عويطه ما عويطه هذا يمكن ما يمكنش هذا مرسل لي اش مخبي هذا شي واحد تيقول لك كاين العنصر ديال السن الاتليت اللي يدير 3 دقائق و30 وعنده 22 عام ماشي هو اللي 3 دقائق و33 عنده 30 عام جات لا فينال هذوك الدورات الاولين دازو عينا بالعامين احنا حاضرين تنشوف فين عويطه فين مرسلي فين مرسلي فين عويطه جات هذاك لا كلوش تران 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 اللي كانت تقول لك من ان اخر لور عويطه مشى قبت البلاصه الاولى وكثيره خاد واحد المسافه ومشى بقى غادي 200 متر هو في الاول هو يجي مرسلي حداه لحق عليه الوقت اللي فاتو مرسلي حس بيه اونفوا حس بيه قبل ما يفوتو ملي فاتو حبس Il était déjà sur la pente descendante. Et Morsely est arrivé. Et comme il travaillait au moral, Aouita, dès qu'il a pris deux baffes, comme on dit, c'était terminé. Quand il s'est fait de ma roue, il y a d'accord, Morsely, peut-être qu'il y a un peu وكاين يمكن من اللي دازو وسميتو عرفوه هو تما الى لا سيبريز عويطة وصل كمل لاكورس ديالتو ومشى ديريكت للفستيار Aouita franchit la ligne d'arrivée presque en marchant, 11e, du jamais vu, un cauchemar. À quelques mètres du champion déchu, le staff algérien exulte. Le 1500 mètres à un nouveau maître. Aucun de quel wacht akbar khabir fil athlétisme, kan fil tihad dawli. Dartana goutlo. Dommage, Aouita kan yjid deuxième. De quel khabir, Robert Parienti. Malgrat al esmito. Galia, quand on s'appelle Aouita, On est premier ou on n'est rien du tout. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un peu de temps. Et qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un peu de temps. Je n'ai pas dit Oui, abattu, bien sûr. Abattu, ce serait un mensonge que de dire que non. Abattu, et donc c'était les limites de l'homme. Aouita avait tout fait pour être champion du monde. Il s'était même assuré des services d'un médecin américain, d'un kinésithérapeute belge. Véritablement une équipe de choc, une équipe de guerre. Mais le physique n'a pas suivi. Quand on a été champion olympique, qu'on a brillé partout, quand on prend les premières volées des adversaires, ça fait mal. Et donc il n'a pas résisté à ça. Déjà, on a eu un peu de temps, on a eu l'entraînement ce soir. On a eu Ben Sheikh. أبجي يقول لي سي ديبي دو لافا Quelques semaines plus tard lors d'un meeting Morsely confirmera sa suprématie sur Aouita arrivé cette fois-ci deuxième Elle aurait dû s'arrêter derrière comprendre qu'il y avait une nouvelle
période de nouveaux athlètes et que c'était lui, son temps était passé. Rueta s'accroche, mais l'âge, les blessures finiront par avoir raison de sa ténacité. Il a toujours essayé de revenir. Chaque année, il a pris du repos, il s'est soigné, il a essayé de revenir, mais bon, c'était fini. Il avait peut-être trop gagné et qu'il avait plus les moyens de continuer au même niveau. Et donc, il s'est éteint comme une bougie. Mais il aurait dû éteindre la bougie plus tôt. Quand l'idole de l'athlétisme marocain disparaissait, et donc on se posait des questions sur le lendemain. Allait-on pouvoir un jour avoir un athlète aussi grand ? Il était vraiment une image du Maroc. Il reste le décathlonien du demi-fond. C'est lui. Personne ne lui enlèvera ce titre-là. À peine s'est-il retiré des pistes que le Maroc fait appel à lui pour occuper le poste de directeur technique de l'équipe nationale d'athlétisme, une mission qui s'achèvera sur un échec au bout d'une année. Les grands athlètes ont du mal à être des grands entraîneurs parce qu'ils transposent ce qu'ils ont fait eux sur l'athlète qu'ils entraînent et souvent ça ne va pas. Et puis bon, il n'avait pas la patience. Je pense qu'il n'avait pas la patience. Et celui qui lui résistait, il rentrait dedans. Donc ça ne pouvait pas durer très longtemps. Pendant 4 années, Aweta ne fera plus parler de lui. Puis un jour, en 1997, une petite apparition au détour d'une candidature aux élections législatives, Aweta échoue et s'envole vivre sous le soleil de Floride à Miami. Mais la comète a laissé sur son sillage une traînée de champions qui feront la gloire de ce qu'il était désormais convenu d'appeler l'école marocaine de fond et de demi-fond. فانا كانت سنتي 13 سنه ولا 14 سنه كان عندي ان بوستر تاع سعيد عويطة في البيت نتاعي كل صباح وكل مساء كنشوفو وكل لحظه Mais le rêve s'achève après une vingtaine d'années. La machine de l'athlétisme marocain est enrouée, ternie par une série de mauvais résultats et entachée par de nombreux scandales de dopage. Après la débâcle de Pékin, la Fédération marocaine d'athlétisme appelle Aweta à la rescousse. تم تعييني ليس للنتائج السلبية بل لتطوير ألعاب القوة. رئيس الجامعة والأعضاء اعطاني الصلاحيه في كل شيء قالوا لي ستعمل ونحن سندعمك. L'ancien roi des pistes reçu en grande pompe et nommé directeur technique pour la deuxième fois. Il sera démis de ses fonctions 6 mois plus tard dans des circonstances controversées. Depuis quelques années, l'ancienne gloire de l'athlétisme mondial officie en tant que consultant sur la chaîne Qatari Al Jazeera Sport. Cette année, Saïd Aweta a lancé sa propre marque de vêtements de sport. Son ambition, devenir le principal fournisseur des championnats arabes. Un pari de plus, un pari fou. Décidément, quand on s'appelle Saïd Aweta, on est premier ou rien du tout.